Salut à tous, chers abonnés et non-abonnés au Script Info. Aujourd'hui, qui est un jour très sacré et plus important dans nos familles et dans le monde entier, nous allons profiter pour vous présenter ces raisons pour lesquelles la famille d'Arafat Didier ne fête pas Noël. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, pour la fête de Noël principalement dans le but de substituer aux fêtes païennes, qui étaient d'usage à l'époque comme la fête de la naissance de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Elle représente aussi la naissance de Jésus dans la région chrétienne aujourd'hui. Pour d'autres chrétiens du monde entier, la fête de Noël est célébrée le 25 décembre, survalorisée de nos jours, où le but premier semble de doper la consommation des ménages. La fête de Noël se fait généralement le plus souvent en famille. Des cadeaux sous le sapin et d'autres cadeaux sont offerts aux enfants par leurs parents. Créée durant l'Antiquité romaine, la fête de Noël avait pour principal but d'unifier religieusement l'empire du monde entier. Le sapin de Noël est une tradition souvent associée aux cadeaux de Noël et à la crèche de Noël apparue au Moyen Âge. Ainsi, le Script Info aujourd'hui vous souhaite un joyeux Noël à tous et merci à vous qui êtes abonnés à la chaîne. Joyeux Noël à tous!